N'avais pas mis les viandes et les dents n'avaient. Technicien de maintenance d'un radada. Sais pas si en ce moment il y en a dans le nord, mais ça coûte pas cher d'envoyer un CV. Après, il faut aimer la route, hein. J'ai bien peur que ça n'arrive jamais, mon ami Daran. Un emploi où on peut être totalement soi-même. Du moment que tu es en relation avec des clients ou avec quoi que ce soit, déjà il faut être poli et toujours sourire, quel que soit le moment. Ça me semble assez logique, hein, Daradada. Je peux pas défendre l'autre partie parce que je sais pas précisément ce qui s'est passé, mais du moment que vous travaillez en présence d'enfants, il faut à tout moment être. Comme je te dis, je veux pas prendre parti parce que je ne connais pas vraiment la situation.
J'aimerais te défendre, Dara, mais je connais pas toute la situation. Du coup, je veux pas m'avancer sur des trucs qui pourraient te consolider dans le fait que tu es totalement raison, alors que tu pourrais avoir en partie tort. Et en même temps, ça me fait chier de te le dire comme ça, parce que en tant qu'ami, je suis censé te dire t'as raison, c'est des connards. Mais dans un conflit, il y a toujours deux parties. À quoi je te dirais que c'est l'âge de fuir. Certainement, Dara. Certainement. Va jouer de la basse. Pas de bruit. Thank you.
Ça va donner n'importe quoi. Ça en demande beaucoup aux doigts quand même. Hey, salut Mini!
Ça va bien. Désastre. On a fait le premier combat de du groupe de cartes, du groupe CC.
Schnouz! On a passé l'examen du CID ensemble. J'en pense que c'est l'heure d'aller se coucher, non? J'ai oublié d'équiper des matériaux. Parce que moi là je veux faire le club CC en fait. Le reste c'est accessoire. Le jeu, tout ça, rien à foutre. Tout ce qui m'intéresse c'est les cartes. Ça, c'était une belle carte. Je gagne tellement d'argent, je m'appelle Crésus. Tout le monde bave quand il voit mon portefeuille rempli de 80 000 G. Et... pourrais acheter 75 000 popos. Mais je vais pas le faire, car je suis radin. Si j'étais pas si radin, j'achèterais
tout plein de trucs servent vraiment à rien. Mais c'est cool d'acheter des trucs. Y a pas un gars qui joue aux cartes en gros dans le coin? Oh! C'est sûr que c'est un haut, mais je me rappelle plus de quel côté. Il y a une carte. Allez, Billy! Après, on va passer aux deux jumelles à côté de l'entrée, et là, on va rigoler. Salut, Billy, moi c'est Jack. Je joue aux cartes, et toi? Et toi, à quoi tu joues? Tu m'as déçu, Jack. Plus t'as que des cartes de merde. Le premier avait plus de cartes que lui. C'est facile, le club CC. Oui, il est pas super dur non plus, mais... quand même, quoi. Ils se respectent un petit peu, les gars. Il était nul, Jack. Il est temps d'aller voir Billy et Pipi. J'ai dit Pipi, pardon. Faut pas oublier le Joker, il a la carte Ahuri. C'est Ahuri qu'il a, c'était pas Léviathan? Ouais, je te crois sur parole, je me rappelle plus. Là, on peut pas se faire une partie parce qu'il faut que j'aille combattre cette dame. La princesse de Carreau. Nous te défions. Appuie sur B3 pour nous invoquer. Allez bientôt découvrir les filles qu'à ce jeu vous n'êtes que les secondes. Porté directement au cœur, Jack. Ainsi que tu veux jouer à cela. Bien, bien. Nous jouerons donc selon tes règles. Il me semble, Jack, que tu as perdu. C'est comme ça qu'on joue dans la rue. Oh, une carte que je n'ai pas. Oh, deux cartes que je n'ai pas. À prendre Attila en premier. Attila qui est un boss bien chiant. Oh! Il a Papa Dragon!
Putain, elle a des boss de niveau 8 alors. 7, je veux dire. La petite peste. Je savais pas que Zell y joue aux cartes. Ah mais il a que des cartes de bas niveau, Zell. C'est un peu comme exploser. J'ai un peu honte de moi là, j'avoue. Et il a pas que des cartes pourries, hein, parce que Iguanor, c'est quand même un boss de niveau 6. Beaucoup. Du coup là il y a la carte extraterrestre et il manque pas grand chose en 6. En 7 on a à peine commencé mais en 6 on est bien. Hein. Allons voir Joker. Je sais pas si on peut y aller direct à Joker ou s'il faut attendre. Je me rappelle plus. Tsunami. Il est tellement classe comme ça, regardez-moi ça. De l'eau qui sort, et hop, Léviathan. Au moins 100, au moins 100, au moins 100. Anderson.
moi j'avais l'impression de me rappeler qu'il y avait un truc au bout de cette. Et peut-être que Joker. C'est moi, je déconne, je déconne, je déconne. Ok. Faut pas chercher, hein, ma mémoire est totalement défaillante des fois. J'avais l'impression de me rappeler qu'il y avait autre chose que Joker en fait. Pas trop comment l'expliquer. C'est dans mes tripes. It's in my heart. Lion heart. Salut Jojo! Tu étais ici, Billy. Il était temps qu'on se rencontre. Laisse-moi m'occuper du pabot et je suis à toi. Mais d'abord, le pabot.
Me dis hein, si t'en as fini d'attaquer. Hein. Je n'aime pas fuir. Je pense que c'est la première fois qu'on fuit pour de vrai. À bas prix, à bas prix. Point de vue, quoi. Des bisous, mon Dara. J'espère que ça ira mieux demain matin pour toi. Ça c'est fait. En théorie, il nous en reste 3. Il reste celui du couloir en haut. J'avais raison, Baka, il avait Léviathan. Moi, ce que je pensais, mais je vais pas trop m'en vanter parce que j'étais pas sûr. Attends, ça change totalement mon jeu aussi. Que je revoie mon jeu. The Great Middle Core. Oh, Dara va me regarder dans son lit. Limite si je me mettrais pas tout nu. Non, s'il te plaît, pas ça, ça pique les yeux. Après, forcez-vous pas à rester, hein, les enfants. En théorie, le live est presque fini. Hein. On va juste essayer de finir le club des cartes avant. Et je vous promets rien. Donc, normalement, c'est celui qui t'a offert des cartes. C'est lui. Dans les oreilles de quelqu'un de mal intentionné comme moi, ça pourrait être mal interprété. En fait, Léviathan n'arrange pas du tout mon jeu.
Alors pas du tout, du tout. À toute Daro. Ah, il y a un identique au milieu. Ah, c'est pas bon ça. Du canapé devant South Park. Il est sorti South Park? Non, c'est demain qu'il sort. Aujourd'hui, je sais. Perdu, je sais plus où j'en suis. Il est revenu le point de sauvegarde. Parce que c'était légèrement relou ça. Arrêtez de me donner tant d'argent. Je sais plus comment le dépenser. C'est une bonne idée, Milly. Petit en cours. Allons affronter. Bien sûr qu'on commence. Quoi ta meilleure carte, la reine? Un terrain piégé. Un début de partie difficile. Un très beau jeu. Carte. Ahuri. Il en faudra plus pour me vaincre. J'aime pas assez en situation de favoritisme. Dorénavant, on jouera pour le plaisir. Je ne joue plus pour le plaisir. Je suis un homme sérieux. On a Ahuri maintenant, Milly. Quoi? T'avais raison, il y avait Ahuri quelque part. Et si je me rappelle bien, il faut jouer contre le docteur Questar avant d'avoir la suite. Pourquoi il me dit qu'il n'y a plus personne sur mon live? Il n'y a plus personne qui me regarde. Je parle tout seul. Vous êtes tout seul sur le back-end live et vous regardez un mec qui joue au car. Moi fou, jamais.
Oui, puis aller se coucher. Ouais, après avoir gagné, j'irai me coucher. J'irai prendre le dur repos que j'ai bien mérité. Ah putain, merde, elle m'a bloqué. Connasse. Ah putain, du coup tu casses ça et du coup t'es obligé de te choper un. Je sais que Quistis elle a une carte rare mais je sais plus laquelle. Je sais pas si c'est pas elle qui a Squall. Ou alors c'est Edea. Non, Edea elle a sa propre carte, je crois. Du coup ça doit être elle qui a Squall. On va sauvegarder, jouer aux cartes, jouer aux cartes, chien de la folie. Ça marche pas. Je les ai tous vaincus. C'est moi le meilleur dresseur. Pourquoi tu veux que je parle à Chou? Déjà vaincu, Chou. Moi, le meilleur dresseur. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça. Maman, le monsieur, il fait de la merde. Oh, il avait Oméga! Mon chocobo il fait de la merde en ce moment. L'impression qu'il a perdu l'envie de se battre. C'est ce qu'il y a.
Mais il l'a reçu ce soir, tu veux pas me le dire, Milly? Tu peux me le dire, hein. Je serais pas jaloux. Et bonsoir à toi, Baron. Ah, mais il l'a acheté en démat. Pourquoi elle veut pas jouer contre moi, Costis? J'ai un paquet de cartes, elle devrait être contente. Mais je l'ai eu ce dialogue. Pas que je suis dégoûté. Est-ce qu'il faut d'abord avoir fini une partie du jeu? Mais non, normalement tu peux le faire tout de suite. Ah, on a déjà essayé avec Chou aussi. Ça marche pas. Et c'est le Planus. Le beau Planus. Bon les amis, vu que j'arriverai pas à finir le club des cartes ce soir, je vais aller me coucher. Il reste plus que ça à faire. Donc je me suicider, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Et bonsoir à tous, bienvenue sur le Bacchae Live, le live où on fait du Final Fantasy. On le fait vite, on le fait bien, on le fait avec puissance. Praise the sun, les amis, praise the sun.
Ah, il va faire un doublé. Oh, j'ai ahuri. En fait, ça me fait pas rire. T'inquiète, tout ira bien. Claire. T'occupe de tout, t'occupe de rien. Merde, il avait pas safer. Baka, ta merde, mais non, mais non. Pour qui vous me prenez? Voilà. Là, j'ai merdé. Tout va bien. Gère. Occupe de tout. T'occupes de rien, ne t'inquiète pas pour moi, tout ira bien, tout ira bien. Alors que le joueur français est désemparé, il vient de regagner sa carte. Si tu me racontes de dans un parc, de quoi tu parles, quoi? Le mec il croit qu'il va me mettre au désespoir aussi rapidement, quoi. Vous oubliez que vous parlez du bacal quand même. Bien voilà quoi. Je dirais pas que je gère de la fougère, mais là ça me fait chier par exemple. Je vais leur retourner une, mais il va m'en retourner une. Bon les amis, c'est pas pour dire, mais ça fait un moment que ça aurait dû être fini en fait. On est à 2h23 de live ce soir. Du coup, je voudrais remercier tous les amis qui sont passés sur le live. Je voudrais remercier tous les fans de FF qui passent de temps en temps. Même la minorité silencieuse, je la remercie. Ce qu'il y a, c'est que il fait tard et demain je bosse. J'essaie d'être calme. Vas-y, pourquoi elle veut pas jouer avec moi, cette... Oui! Allons-y! En avant! C'est quoi ce terrain de fou? Ah là, le élémentaire va faire très très mal, quoi. Normalement, elle a la carte Squall, je crois. Arrête de te plaindre, Baka. Non, mais si j'arrête de me plaindre, j'arrête de jouer, les gars. Soyons clairs. Ouh, ça c'est joli. La Fabridge.
Le maître du jeu. Ça, c'est un peu un... Non, elle a pas la carte squale. Elle a forcément une carte bien. Forcément une carte bien, c'est obligé. Peut pas avoir que des cartes pourries. Pas possible. C'est la reine quand même. C'est Laguna? Tu crois qu'elle a la carte Laguna? Lagoon. Ah, c'est Laguna qui a squale. Je me disais aussi. Mais je suis sûr qu'elle a une carte. Excusez Laguna. La voiture. Elle a klaxonné. Comment ça que dalle? Elle peut pas avoir que dalle, c'est pas possible. Regarde si elle a que dalle, regarde, regarde! Dis-moi que c'est que dalle ça. Si c'est pas une invocation, c'est pas Gilgamesh ça? Enfin l'alter ego de Gilgamesh. Non, mais faut qu'elle respecte son grand frère un petit peu. Écoute, Ah, voilà, un combat de monstres. Je commençais à me demander si mon chocobo avait le nouveau talent esquive de tous les combats. On me l'avait pas prévenu. Zut. Zut. Cacaboudin. D'abord. De toute façon, il peut pas y avoir de combat entre Millie et moi, vu que elle sait que j'ai raison. Du coup, les amis, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie d'avoir suivi ce live. Je vous remercie à tous de suivre mes lives, aussi peu passionnant soit-il, hein, vu que sur les 20 heures de live qu'on a fait, il y a au moins 7 heures de jeu de cartes. Mais on a bientôt fini. Quand on aura toutes les cartes, on pourra s'arrêter et se dire qu'on est, on est bien. Et je remercie tout le monde d'être passé sur mon live. Je vous fais des gros bisous. À demain pour de plus grandes aventures. Bye bye.